Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter mon gros craquage. Gros non, ça va. Plutôt raisonnable. Des soldes chez Sephora. Et à l'heure où je vous tourne cette vidéo, sachez qu'il y a moins 20% en plus des soldes. Donc ils ont commencé la troisième démarche, je crois. Donc si cette vidéo vous intéresse, let's go. Premier coup de cœur, la palette de Fenty Beauty. Je la voulais, je l'ai mise dans mon panier. Après un moment de payer, elle était plus dispo, j'y suis retournée, j'ai réactualisé, elle était toujours pas dispo, le lendemain elle était dispo. Donc finalement j'ai dû passer trois commandes séparées en fait. Elle est vraiment trop belle et elle était à moins 50%, donc j'attendais vraiment qu'elle soit bonne pour me l'acheter, en sachant que j'allais craquer la veille des soldes pour me l'acheter. Donc heureusement que j'ai attendu finalement. C'est trop belle. Oh, j'espère qu'elle n'est pas cassée, je ne l'ai pas encore ouvert. Et ça l'est là. Donc voilà. Trop. Hop. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale juste avec, avec la palette. Si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir. Hop. J'ai pris le pinceau de bronzer de Fenty Beauty. Il était à moins 30%. Il était à moins 50%. Mais c'est vraiment pas le type de pinceau que j'utilise. Pour les bronzers en général, moi j'utilise plus des trucs comme ça quoi. À tester, je ne sais pas. Faut que je lave d'abord. Après, je vous le présenterai si vous voulez. J'ai pris la palette aussi d'highlighter de chez Too Faced. Franchement, c'est plein de choses que je comptais jamais acheter, mais vu les prix, bah j'ai craqué. J'ai craqué. Regardez-moi ça, elle est vraiment trop. Trop belle. Bon, celui-là peut-être que j'utiliserai en fard à paupières, mais c'est un peu trop foncé pour moi. Je suis trop blanche, je fais pas attention à ma tronche, je suis pas maquillée, enfin très moitié maquillée, j'ai pas de fond de teint. Il fait tellement chaud que, en plus avec le port du masque, ça sert à rien, je le mets, il y a tout qui s'enlève. J'ai pris la Peach Blur, je crois qu'on dit, de chez Too Faced, à tester. Il y avait des bons avis. Maintenant, je pense que, enfin, dans les avis, ça dit que. Une petite odeur, mais pas la pêche en tout cas. Dans les avis, ils disent que c'est vraiment pas pour matifier, c'est juste vraiment pour estomper les pores, machin, les imperfections. Maintenant, je sais pas, mais je vous ferai une vidéo avec toutes les nouveautés si vous voulez. Pas de soucis. J'ai pris la Tutti Frutti Banana. Hop. Ça, c'est vraiment que pour le contour des yeux parce que je pense qu'elle sera trop jaune pour mon teint. Hop, elle est comme ceci. J'ai pris ensuite, alors ça, ça je comptais vraiment pas du tout, mais jamais me l'acheter. Hein. J'ai en ce format-là la Peach, c'est ça. Et je voulais vraiment jamais me l'acheter parce que c'est pas une palette qui me tapait à l'œil. Mais elle m'a coûté 13 euros. 13 euros, guys. Donc voilà, juste pour le prix, je l'ai acheté. Et puis bon, je pense que avec le temps, je vais l'utiliser du coup. J'ai pris aussi, bah, je crois que c'est les dernières choses que j'ai pris. De rouge à lèvres avant glace. Ils sont trop beaux. J'ai pris le. Where is. East Lost. Je speak pas English. I Lost For et I Wish. Je vais vous les swatcher si j'arrive à les ouvrir. Hop. En tout cas, c'est tout petit. C'est rikiki. C'est trop mignon. Donc, ça, c'est. Je sais pas si on verra bien. Ça, c'est le I Lost For. Et ça, en plus, les teintes sont marquées sur le. Vous m'avez compris. Hop. Alors là, on a en haut le I Lost For et le I Wish juste en dessous. J'aime trop ces teintes nude et. De toute façon, en ce moment, on va dire, on ne porte pas de rouge à lèvres, quoi, parce qu'avec le masque, ça ne se voit pas. J'ai été au Sephora Boulevard Haussmann et je suis tombée étonnamment sur ça. Oui, oui, oui. 34,99 ou 36,99, je ne me rappelle plus. Le lot avec les 5 pinceaux de la première collaboration de Sananas avec Sephora. Donc, je l'ai pris. Donc, on a 4 pinceaux à fard à paupières. Et un pinceau pour le teint. Donc pareil, je les laverai puis je les essaierai.
Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très vite.